que Pascal a intitulé cette conférence « Pour en finir avec Louis XVII ». Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel de nombreux livres ont été publiés. On parle de 2000 livres, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas ça correspond bien à l'ampleur de l'intérêt que ce sujet a provoqué depuis plus de deux siècles dans le public français. Et moi-même, j'ai depuis 25-30 ans étudié donc cette question de différentes manières. J'ai publié plusieurs livres, à la fois sur la vie de l'enfant, sur l'énigme de sa survivance éventuelle, et puis sur les études d'ADN, les études génétiques auxquelles on a procédé pour déterminer et prouver sa mort au temple en 1795. Et donc, ce dernier livre, qui est pour moi, je pense, le dernier sur la question, en tout cas, j'ai essayé de réunir justement dans un seul ouvrage l'ensemble des travaux que j'ai pu faire sur la question, c'est-à-dire à la fois la biographie de cet enfant et puis la suite, c'est-à-dire les faux dauphins et puis la résolution de l'énigme avec l'ADN. Alors, je ne vais pas vous parler de l'ensemble de ce livre aujourd'hui. Je pense que, justement, c'est l'occasion de vous encourager à le lire. Mais on va prendre une partie qui est les faux dauphins, qui est cette épopée des faux dauphins qui se manifeste à partir de la mort de l'enfant du temps, si vous voulez, dans la partie discussion, on pourra toujours éventuellement revenir sur les conditions de cette mort, et sur tel ou tel élément de sa vie. Donc, rapidement, Louis XVII, Louis-Charles, duc de Normandie à sa naissance, donc deuxième fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, né en 1785, il meurt en 1795, donc c'est 10 années, une vie très courte, dans laquelle il n'a pas eu lui-même d'influence directe sur les événements, mais c'est aussi les 10 années les plus cruciales de l'histoire de France, puisque à sa naissance, l'ancien régime est encore florissant, même s'il est lézardé, on ne voit pas encore, on n'imagine pas encore qu'il puisse s'écrouler aussi rapidement et que le roi puisse être détrôné et ensuite guillotiné. N'apparaît pas du tout dans l'esprit des Français de l'époque. Et puis, 10 ans plus tard, eh bien, la Révolution est passée par là. Louis XVI est mort, la République a été proclamée, la terreur a sévi sur le territoire français. Donc vraiment, on a 10 années qui bouleversent complètement l'histoire de France et qui sont probablement les 10 années les plus importantes de toute notre histoire nationale. Alors, à sa mort, le 8 juin 1795, les rumeurs vont commencer tout de suite à apparaître d'une possible évasion, dont on parle aussi d'empoisonnement d'ailleurs en même temps, hein, les rumeurs sont diverses. Quelques mois auparavant, à la tribune de la Convention, Cambacérès, qui n'était pas encore archi-chancelier de Napoléon, donc Cambacérès, à la tribune de la Convention, avait prophétisé, si l'on peut dire, lors même qu'il aura cessé d'exister, on le retrouvera partout. Et cette chimère servira longtemps à nourrir les coupables espérances des Français traîtres à leur pays. On savait tourner un discours à l'époque. Hein, c'était vraiment extraordinaire. Donc effectivement, la chimère de l'évasion et de la survivance de Louis XVII va apparaître très rapidement après sa mort. Sous Louis-Philippe, le préfet de police de Paris, Gisquet, qui a écrit sur la question, a dit, et c'est quelque chose qui peut d'ailleurs s'appliquer à tous les cas du même genre, un grand nom s'éteint rarement sans devenir l'objet d'une spéculation pour quelque ambitieux obscur. Et c'est vrai que, on le verra, et on pourra en reparler par la suite, que cette idée de la survivance des hommes célèbres ou des personnages célèbres morts dans des conditions un petit peu obscures et quelque chose qu'on retrouve périodiquement dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui avec Kennedy ou Elvis Presley, etc., qui ne serait pas mort et qui serait caché quelque part et qui reviendrait, etc. Donc c'est un élément assez naturel, mais qui va prendre avec Louis XVII une proportion particulière. Pourquoi ? Parce que, justement, les 10 années qui ont été celles de la vie de Louis XVII ont
provoqué un tel bouleversement dans les esprits, dans les consciences, que, eh bien, on est un peu, on a perdu ses repères. Et Champfort dit, rapporte d'ailleurs la parole d'un courtisan, d'un ancien courtisan de Versailles, qui dit « Après la mort du roi, on peut tout croire ». Et c'est vrai qu'après la mort de Louis XVI, après l'instauration d'une république, après ces bouleversements terribles que la France a connus, eh bien, on n'est plus sûr de rien, on n'est plus certain de rien, et non plus de la mort de cet enfant, donc de ce roi titulaire qui était enfermé au temple, donc après la mort de son père. Dans le Courrier universel, qui est un journal donc de l'époque, on a une étude, je dirais une analyse assez fine de cette réalité juste à ce moment-là. Donc c'est publié le 13 juin 1995, donc 5 jours après la mort de Louis XVII. Dans le courrier universel, on lit « La mort du fils de Louis XVI a donné lieu à divers bruits, à une foule de fables plus absurdes les unes que les autres. Les uns prétendent que cette mort est un fait à plaisir, c'est-à-dire caché, enfin c'est une invention, que le jeune enfant est plein de vie, qu'il y a très longtemps qu'il n'est plus au temple, et qu'une des principales conditions de la paix conclue entre la Prusse, les Chouans et les Vendéens était de confier ce jeune orphelin aux puissances étrangères. D'autres assurent au contraire qu'il y a plus d'un an qu'ils avaient la certitude que l'enfant était mort empoisonné. Ce serait donner trop de crédit à des calomnies aussi atroces que ridicules que d'essayer d'en relever l'absurdité révoltante, mais nous ne pouvons nous empêcher de déplorer la fatalité des événements qui enlèvent ce précieux otage au moment où son existence ne pouvait nuire à la patrie, où sa mort au contraire va peut-être donner de nouvelles forces à la malveillance qui s'agite d'un bout de la France à l'autre. » Alors effectivement, parce que la mort de Louis XVII ne rompt pas, bien sûr, le lien monarchique. Au contraire, ça libère finalement la possibilité pour Louis XVIII, le comte de Provence, l'oncle de Louis XVII, le frère de Louis XVI, de prendre en main de manière claire et nette, je dirais, les destinées de l'émigration et des opposants à la République à l'extérieur du pays, puisque le comte de Provence s'était déjà intitulé régent de son neveu, maintenant il devient purement et simplement le roi sous le nom de Louis XVIII, bien sûr roi en exil, mais c'est ce qu'il indique clairement dès le 24 juin lors de ce qu'on appelle la proclamation de Vérone, hein, puisqu'il est à Vérone en Italie, où il dit assumer la continuité dynastique et devenir donc Louis XVIII. Donc, si vous voulez, la mort de Louis XVII n'était pas, était au contraire finalement pour la République plutôt une perte, puisque c'était, comme il disait, un otage précieux qu'il aurait mieux valu conserver, justement pour avoir entre ses mains le titulaire putatif, en tout cas de la couronne de France, et non pas de voir un roi en exil, Louis XVIII. Cela dit, donc très très rapidement, les faux dauphins, les rumeurs d'évasion vont se propager tout autour aux quatre coins de la France. Il n'y a pas une province où, lorsque l'on rencontre un jeune garçon vagabond d'à peu près l'âge du dauphin, qu'on ne dise pas, tiens, ça doit être Louis XVII évadé. Et le chancelier d'Autriche, Thugut, dit à ce moment-là, d'ailleurs, que se fait l'écho des doutes universels qui pouvaient exister sur le destin de Louis XVII, lorsqu'il écrit, donc toujours à la même époque, hein, c'est le 11 juillet 1795, lorsqu'il a appris donc cette mort, il écrit à un de ses correspondants « Il n'existe au vrai aucune certitude légale du décès du fils de Louis XVI ». Là, il a tort, parce que des certitudes légales, on pourra dire qu'il y en a énormément. Lorsque l'enfant est mort, on a fait défiler devant lui, devant son cadavre, un grand nombre de personnes qui l'ont reconnu. Il y a eu un acte de décès dressé en bonne et due forme, etc. Donc des certitudes légales, il y en a. Donc Thugut continue « Sa mort jusqu'à présent n'a au fond d'autre preuve que l'annonce du moniteur est tout au plus un procès verbal fait par ordre des brigands de la Convention et par des gens dont toute la déposition est fondée sur ce qu'on leur aurait présenté le corps d'un enfant mort, qu'on leur aurait assuré être le fils de Louis Capet. » Alors,
Évidemment, voilà, donc ça c'est un petit peu, je dirais, le fondement de ce qu'on appellera le surviventisme, c'est-à-dire le doute sur la mort de l'enfant du Temple. Et très très rapidement, dès le mois d'octobre 1796, donc un an plus tard, on va voir apparaître le premier des grands faux dauphins. Alors des faux dauphins, il y en aura peut-être une centaine, hein. Il y a eu un livre qui est paru, Les 101 faux dauphins, comme les 101 dalmatiens, mais c'est vrai qu'on peut, je pense, en recenser au moins ce nombre. Et en plus, comme je disais l'autre fois, il en est tous les jours ou toutes les semaines, puisqu'on n'a pas une année où il n'y a pas quelqu'un qui écrive un livre en disant mon arrière-grand-père, enfin mon ancêtre, mon aïeul, était Louis XVII. Bon, l'aïeul en question n'en était absolument pas conscient lui-même, mais donc la personne en question écrit un bouquin en expliquant, j'ai les preuves, je sais que je descends de Louis XVII qui était. Donc il en apparaît, je dirais, encore aujourd'hui, rétrospectivement, tout le temps. Et l'autre fois, j'ai été invité par Franck Ferrand à un repas, et il disait aussi que lui recevait pratiquement toutes les semaines des documents, des livres, des mémoires de gens expliquant pourquoi ils étaient bien Louis XVII, enfin ils étaient bien les descendants de Louis XVII. Je crois même qu'à Lanard, on avait reçu un vrai Louis XVII, enfin tu pourras l'expliquer tout à l'heure. Donc en octobre 1796 apparaît un garçon de 15 ans qui passe en jugement au tribunal de Bayeux pour vagabondage, qui est un certain Jean-Marie Hervagault, fils d'un tailleur de Saint-Lô, et il est mis en prison parce qu'il se faisait passer pour le descendant d'une illustre famille, enfin de nobles qui ont été victimes de la terreur, et comme ça il escroquait les gens en disant. Et là pour le moment il ne se disait pas encore Louis XVII. L'année suivante, après avoir été libéré, on le retrouve à Alençon, où il fait un peu la même comédie, mais là, cette fois-ci, déguisé en femme, parce qu'il trouvait que c'était sans doute beaucoup plus pitoyable d'être une jeune fille perdue après les malheurs de la Révolution. Alors, nouvelle prison, et puis finalement, en mai 98, on le voit réapparaître près de Chalon-sur-Marne, qu'on appelle Chalon-en-Champagne maintenant, où il est encore à nouveau arrêté pour vagabondage. Et comme il refuse de donner son identité, il est mis dans la maison d'arrêt de Chalon, et il dit « si on savait qui j'étais, on serait bien étonné, etc. » Les royalistes champenois, alors vous voyez, on voit dans quelle ambiance on est, les royalistes champenois, voyant cet enfant, cet adolescent, enfermé dans cette maison d'arrêt de Chalon, la rumeur commence à apparaître qu'il serait Louis XVII, évadé du temps, même s'il était un peu plus vieux en fait, mais enfin bon, ce serait Louis XVII évadé du temps, donc il lui envoie du linge fin, de l'argenterie, des mets délicats, etc. Finalement, une petite cour commence à s'organiser autour de ce Jean-Marie Hervagault, qui ne donne pas son nom évidemment, hein, qui prétend lui maintenant être Louis XVII, évadé du Temple, une petite cour avec même un grand aumônier, qui est un ancien évêque jureur de Viviers, monseigneur de Lafond de Savine, qui lui sert donc de grand aumônier. Bon, et puis tout ça suit son cours, jusqu'à ce que le père Hervagault, donc le tailleur de Saint-Lô, ayant vu la description de ce schnappant qui avait été arrêté à Chalon, dit « mais c'est mon fils », et le fait ramener donc au domicile en Normandie entre deux gendarmes. Donc Hervagault ne va pas rester très longtemps sous le toit paternel, nouvelle fugue, nouvelles escroqueries, retourne en Champagne où il sait qu'il a une petite camarilla de supporters, si l'on peut dire, et là il va à nouveau être en prison pour un certain nombre d'escroqueries et de malversations. Et lorsqu'il est finalement libéré, quelques mois plus tard, finalement en 1801, là il va s'installer vraiment chez un noble de Vitry-François, enfin, ou un bourgeois de Vitry-François qui le reconnaît comme Louis XVII. Et là, il va avoir pendant quelques mois une véritable petite cour où il explique, alors, donc, il explique les détails de son évasion, il y a des réceptions, enfin vous voir, c'est toute une ambiance un peu à la Balzac, hein, de province, donc il y a des réceptions, il est entouré de d'honneurs et de déférences, donc ce fameux Hervagault Louis XVII. Et donc il raconte comment il s'est évadé
du temple dans un panier de linge sale, comment on l'a endormi avec un narcotique, comment il a été échangé finalement contre le vrai Jean-Marie Hervago, à qui on a donné au père de cet enfant 200 000 francs en assignat pour donner son fils en échange. Voilà, donc il raconte ensuite comment il a été trimballé de Quiberon à Londres, à Rome, ou à Rome, le pape lui-même lui a posé sur la cuisse un fer rouge pour le marquer, lui indiquer son origine royale. Vous voyez là, tout ça, c'est une espèce de... Et on va voir que ce récit, c'est pas un récit anodin, parce qu'il correspond à un récit d'un roman qui vient de paraître quelques mois précédents, qui s'appelle « Le cimetière de la Madeleine », dont je vais parler. Donc, pour en finir avec Hervago, finalement, au bout d'un moment, Bonaparte étant devenu premier consul et ensuite bientôt empereur, commence à trouver que tout ça fait un petit peu de bruit, même si c'est à Vitry-le-François et que c'est pas à Paris, mais finalement, le Hervago en question va se retrouver à nouveau en prison en 1802, et là, on l'enferme à la maison de force de Bicêtre, où on enfermait aussi un petit peu les malades mentaux, d'ailleurs. Et ces 4 années de prison, il va les faire. Et en 1806, finalement, il est envoyé dans un bataillon colonial à Belle-Île-en-Mer, où il va déserter, enfermer une nouveau à Bicêtre, et il va mourir finalement misérablement à Bicêtre en 1812, toujours en clamant qu'il est Louis XVII. Donc ça, c'est le premier faux dauphin. Et ce premier faux dauphin, comme je disais, utilise, pour expliquer son évasion, un roman qui va être réutilisé très très souvent par les faux dauphins. Et c'est un petit peu la trame qui va être employée avec ces gens qui n'ont finalement pas beaucoup d'imagination, parce qu'ils répètent tous un peu la même chose et recopient ce roman. Alors ce roman, Le cimetière de la Madeleine, est paru en 1800 d'un certain Jean-Baptiste Regnault-Varin, qui sera d'ailleurs un best-seller, si on peut dire, à l'époque, enfin qui sera... un roman qui aura beaucoup de succès, et l'auteur imagine avoir reçu les confidences de l'abbé Edgeworth de Firmont, donc, qui était le dernier confesseur de Louis XVI au moment de son exécution. Donc l'abbé Edgeworth aurait un jour, sous la lune, se promenant dans le cimetière de la Madeleine, donc là où il y a actuellement la chapelle expiatoire, où étaient enterrés Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc l'abbé Edgeworth aurait fait des confidences au narrateur du livre sur la manière dont Louis XVII finalement se serait évadé du temps. Donc il raconte qu'un agent de charrette se serait introduit au temple grâce à la complicité du docteur Dessau, qui était donc le médecin de Louis XVII, et que là on aurait remplacé donc le jeune prince par un orphelin du même âge et de la même taille, et donc qui aurait été se substituer. Drogué à l'opium, donc l'enfant aurait été placé... enfin d'abord on aurait fait entrer le substitué dans un cheval de bois, alors ça le cheval de bois on va le retrouver très souvent, et puis le prince lui aurait été sorti dans un panier de linge sale après avoir été endormi également, drogué à l'opium pour le sortir. Ensuite il aurait été en Vendée, à l'église de Fontenay-le-Comte il aurait reçu une sorte de sacre, par les Vendéens, par Charette, mais traqué par les Républicains, l'intéressant orphelin, c'est joli ça, les intéressants orphelins, aurait trouvé refuge sur un îlot de la Loire, à l'embouchure donc de la Loire, avant d'être arrêté, jeté au cachot à Nantes, où il serait mort finalement, donc très, très très rapidement. Donc c'est une histoire où il n'y a pas de survivance, où il y a en tout cas une survivance très 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 peu, très rapide, enfin qui s'achève très rapidement et très, très tristement. Donc on a, si vous voulez, en tout cas, là, la trame, le schéma qui sera réutilisé par, donc Hervago, on l'a vu déjà, mais qui sera réutilisé également par les autres faux dauphins par la suite. Alors pendant l'Empire, étant donné la police de Napoléon et sa manière un peu expéditive de traiter ce genre d'affaires, il ne va pas y avoir beaucoup de faux dauphins, il va falloir attendre finalement, et en plus, de toute manière, l'idée d'être l'héritier des rois de France n'a pas tellement de sens sous l'Empire, donc il faudra attendre la Restauration, la seconde Restauration, décembre 1815, pour voir réapparaître. Alors, il y en a bien quelques-uns hein, comme ça, mais qui sont beaucoup moins intéressants. Décembre 1815, Louis XVIII, donc, qui a été restauré, reçoit une lettre d'un certain Dauphin Bourbon, alors c'est écrit Dauphin D-A-U-F-I-N, hein, donc c'est quelqu'un qui n'a pas un autographe extrêmement
sur et qui lui écrit de Saint-Malo, où il est détenu, pour lui dire qu'il est effectivement son neveu et qu'il est enfermé, qu'il est Louis XVII évadé du Temple. Alors, qui est ce dauphin Bourbon? D'abord, c'est à nouveau un vagabond qui possédait un passeport au nom de Charles de Navarre. Les gendarmes qui l'arrêtent se rendent compte que c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui sait ni lire ni écrire, qui parle un peu anglais parce qu'il se dit natif de la Nouvelle-Orléans. Donc, dans un premier temps, il prétend pas être Louis XVII. Hein, c'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est souvent un cheminement qui permet d'arriver à cette affirmation. Donc, il est arrêté, ce Charles de Navarre, pour vagabondage, et il est transféré finalement à Rouen au début de janvier 1816, après avoir écrit cette fameuse lettre à Louis XVIII. Donc à Rouen, il est placé dans la maison de mendicité, la maison de détention de Rouen, et c'est là qu'il commence à se dire Louis XVII, parce qu'il s'entoure de... Souvent il y a des personnages aussi qui grouillent autour de ce genre de faux dauphin. Il s'entoure de deux secrétaires, entre guillemets, un faux abbé et un huissier condamné pour escroquerie, donc il lui rédige un certain nombre de proclamations officielles, d'affiches qui sont placardées nuitamment dans les rues de Rouen, où il dit « Louis XVII est parmi vous, il est emprisonné à la prison de la Force à Rouen, voilà, etc. Libérez-le, c'est votre roi légitime ». À côté de cela, il y a un document manuscrit qui sont les mémoires historiques de la vie de Louis XVII, qui raconte justement comment ce Charles de Navarre se serait évadé du Temple et les péripéties de son existence. Ce document va être manuscrit, donc il va être recopié dans les milieux royalistes de l'Ouest. Donc vous voyez, il y a une attente, on pourra en parler tout à l'heure, il y a une attente dans une partie des milieux royalistes du retour de Louis XVII. Pourquoi ? Parce que la restauration telle que Louis XVIII la conçoit, c'est quand même une restauration qui prend en compte une partie des acquis de la Révolution, qui ne veut pas revenir vers un ancien régime, d'ailleurs tel qu'il n'a probablement jamais existé. C'est une restauration qui, quand même, qui instaure un régime parlementaire, qui donc ne convient pas à un certain nombre de royalistes les plus fanatiques ou les plus intransigeants. Et donc, parmi ceux-là, on a un certain nombre de gens qui se tournent vers l'idée que Louis XVII ne serait pas mort et pourrait, comme cela, revenir restaurer cet ancien régime tel qu'il l'imagine, tel qu'il le rêve. Donc, appelons-le toujours Charles de Navarre, donc ce deuxième faux dauphin... bien connu, donc lui va dire à peu près la même chose que Regnault Varin, donc il s'est échappé de la même manière, dans un panier de linge châle, qu'il a appris alors après le métier de sabotier, ce qui est assez une origine originale par rapport aux autres. Et là, bien sûr, à la maison de la Force de Rouen, donc avec ses deux, flanqué de ses deux secrétaires, il commence à avoir aussi une petite... Une petite cour autour de lui. Il organise des audiences avec la complicité du concierge de la prison qui vend des chopines de vin. Donc vous achetez une chopine de vin et vous avez le droit de discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes avec monseigneur. Donc voilà, c'est tout. Un petit commerce se met en place. Ça fait tellement de bruit que la duchesse d'Angoulême, donc la sœur de Louis XVII, envoie un certain comte de Montmirail pour voir ce qu'il en est de cet homme qui prétend être Louis XVII, et prétend être son frère, et finalement elle se rend compte que c'est un imposteur. Et finalement, l'année suivante, 1818, ce Charles de Navarre, enfin celui qui se faisait appeler Charles de Navarre, passe en procès, et on se rend compte à ce moment-là que sa véritable identité est un certain Mathurin Bruneau, originaire de Vezin en Anjou. Ce Mathurin Bruneau a été enrôlé sur un bateau de la marine de la République. Il est allé aux États-Unis, il est revenu ensuite par Guernesey, Saint-Malo, et c'est comme ça qu'il a pu raconter qu'il avait été en Amérique. Donc il est condamné à 5 ans de prison et il va mourir très rapidement dans un cachot du Mont-Saint-Michel, qui était une prison à l'époque en 1822. Donc encore un faux dauphin, je dirais, dont la destinée est un peu triste et rapidement expédiée. Alors, troisième personnage, parce qu'il y en a quatre, en fait, hein, il y a une sorte de carré d'as, de carré de faux dauphins
qui sont les plus connus. Donc Pierre Vago, Mathurin Bruno, le troisième est apparu en 1820 à Modène, dans la principauté de Modène. Et lui a un passeport au nom de Bourlon, pas Bourbon, hein, Bourlon. Et après avoir été mis en prison pour différents méfaits en Italie, il va trouver refuge à Genève, où là il prend le nom de baron de Richemont. Donc ça, c'est le troisième faux dauphin connu, le baron de Richemont. Alors c'était le surnom qu'Henri Tudor avait pris au moment de sa lutte contre Richard III d'Angleterre, contre l'usurpateur Richard III d'Angleterre. Donc il se fait appeler baron de Richemont. Alors ce baron de Richemont arrive en France finalement en 1825, où là il va travailler à un moment à la préfecture de Rouen, où on pense qu'il a pu étudier le fameux dossier de Mathurin Bruno, dont on vient de parler. Et en 1828, après avoir mis bien en place son affaire, il envoie carrément une pétition à la Chambre des Pairs pour dire qu'il est Louis XVII. Alors il ne revendique pas le trône, mais ce qui aurait peut-être déplu à Charles X, mais il dit qu'il demande simplement un asile et une patrie, après avoir été comme cela pendant des années exilé et chassé de son pays. Aucune réaction. Finalement, la Restauration était bonne fille, hein, parce que ces gens qui ne sont pas vraiment poursuivis, on ne les prend pas tellement au sérieux, en fait. Hein, ils ne représentent pas un danger politique réel. Et je pense qu'il faut replacer aussi tout ça à sa juste mesure. Ces faux dauphins, ce survivantisme n'a jamais été un danger politique réel. Ça peut être simplement à un moment un outil, on le verra, utilisé par des ennemis, soit de la monarchie ou d'autres, pour mettre un grain de sable en quelque sorte dans la mécanique. Mais ça n'a jamais été une possibilité réelle de prise de pouvoir. Donc en janvier 1830, notre Richemont fait une nouvelle proclamation à la France, cette fois-ci directement aux Français. Pas de chance pour lui, quelques mois après, c'est la Révolution de Juillet, donc il a... Louis-Philippe devient roi de France. Mais il s'en sort assez bien parce qu'il arrive à s'entourer d'un certain nombre de riches personnages qui croient ou qui pensent croire à son auguste origine. Et donc il vit une certaine aisance un certain rang. En janvier 1831, il va publier les mémoires du duc de Normandie, fils de Louis XVI. Donc là, qu'il écrit avec l'aide d'un primitif qui l'aide à rédiger tout cela, où il raconte alors toujours la même histoire du cheval de bois, il s'est évadé à peu près dans les mêmes conditions que les autres du temple. Ensuite, alors il lui arrive des aventures assez extraordinaires aussi. Il participe à la campagne d'Égypte avec Kléber. Ensuite, il est à Marengo avec Desaix. Ensuite... Et revenant en France, il aurait été compromis, alors tout ça bien sûr, c'est avec beaucoup beaucoup de guillemets, hein, il aurait été compromis avec Cadoudal, et donc il se serait réfugié au Brésil, où là il serait devenu chef d'une tribu amazonienne. Oui, là on est en plein, non mais en même temps, on est en plein romantisme, c'est-à-dire qu'on est, on a l'impression de lire ces romans de l'époque ou du XVIIIe siècle, où on imaginait... même les voyages en Amérique, Manon Lescaut, ou ensuite même Louis-Philippe allant visiter les Châteaubriand, enfin tout ça, on est vraiment dans cette... on baigne là-dedans. Donc chef d'une tribu amazonienne, ensuite le régent du Brésil, Don Jean de Bragance, l'aurait mis à la tête d'une expédition vers le comptoir portugais de Goa aux Indes. Donc, vous voyez, un personnage qui voyage beaucoup. Il serait revenu en France, il aurait eu une entrevue secrète avec Madame Royale dans le parc de Versailles en 1816. Et ensuite, passant par Rodez, il aurait déposé des documents secrets au fameux Fualdès, vous savez, donc, qui a été assassiné dans d'atroces conditions en 1817. Donc il a l'intelligence, je dirais, ou l'habileté d'utiliser cette affaire bien connue, qui avait défrayé la chronique à l'époque, en disant, vous voyez, s'il a été assassiné, c'est parce qu'il savait la vérité sur ma survie, la survie de Louis XVII. Alors, ce Richemont donc va finalement être écroué en 1833 à Sainte-Pélagie, qui était la prison...
prison un peu huppée à Paris, bien connue. Et le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas quelle est son identité réelle. Et finalement, disons, une certaine enquête va montrer qu'il était probablement le fils d'un boucher du département de l'Ain, un certain Claude Perrin, mais on n'en est pas absolument certain. Finalement, son procès en assises va être instruit le 30 octobre, va s'ouvrir le 30 octobre 1834, où là, alors, on peut s'étonner du nombre de pseudonymes, d'avatars sous lesquels ce personnage est apparu, puisqu'on a la liste des noms qu'il a pu utiliser à un moment ou à un autre. Donc, habituellement, il se fait appeler Henri Ethelbert Louis Hector Alfred Baron de Richemont, ce qui est tout à fait sympa. Mais sinon, selon les circonstances, il se fait appeler Hébert, Giovanni, Pictette, Legras, Colonel Lemaître, de France, Baron Bénard, Comte de Saint-Julien, Henri Trastamare ou encore Prince Gustave. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait... qui était multiforme, polyforme, hein, polymorphe. Donc on a ce Richemont finalement jugé en assises en 1834. Il y a une anecdote amusante, hein, c'est qu'au moment, à la deuxième audience, il y a un personnage qui intervient, un certain Morel de Saint-Didier, qui est fondé de pouvoir d'un autre faux dauphin qu'on va voir bientôt, qui est Karl Wilhelm Nundorf, et qui dit « Je suis le fondé de pouvoir du vrai Louis XVII, Charles-Louis de Bourbon. » Et Richemont lui répond « Quand un citoyen quelconque réclame un nom, il doit au moins le connaître. » Parce qu'effectivement, Louis XVII ne s'appelait pas Charles-Louis, mais Louis-Charles. Et c'est vrai que Nundorf, dont on va reparler un peu plus longuement par la suite, était, jusqu'à sa mort, soutenu mordicus qu'il était Charles-Louis, alors que, bon... Si on prend l'acte de baptême de Louis XVII, c'est bien Louis Charles, enfin, il n'y a pas de problème. Mais Nundorf avait vu ce Charles Louis dans un annuaire de Versailles de 1787, je crois, où l'erreur était mentionnée. Et donc il avait pris ça pour argent comptant, et jusqu'à sa mort, il a dit je suis Charles Louis, etc. Voilà. Donc on en est toujours à Richemont est finalement condamné à 12 ans de détention pour différentes escroqueries et délits de presse, non pas vraiment pour s'être fait passer pour Louis XVII, mais pour les différentes escroqueries et les différentes malversations qui ont tourné autour de cette prétention. Mais les prisons étaient finalement assez mal gardées à l'époque. Dès l'année suivante, il va s'évader avec la complicité d'un gardien, en compagnie d'un carliste, c'est-à-dire d'un légitimiste et d'un républicain. Donc vous voyez, on a un peu, on voit un petit peu la collusion des oppositions à Louis-Philippe, un petit peu dans cette circonstance, puisque on a à la fois ceux qui veulent la République, ceux qui veulent restaurer la légitimité dynastique, et puis aussi, en l'occurrence, un faux dauphin. Donc tout ça, c'est finalement... Il y a une espèce de front commun, un petit peu, des opposants à la monarchie de Juillet, en l'occurrence. Donc il s'évade, la police ne recherche pas bien beaucoup de sévérité, il a des refuges discrets, il se fait discret, il est abrité par un certain nombre de ses partisans. Et finalement, quelques temps plus tard, en 1840, il va y avoir une grande amnistie politique dont il bénéficie, ce qui lui permet de revenir à Paris, où il est reçu par un certain nombre de vieilles douairières du faubourg Saint-Germain. Et il faut voir finalement que Richemont était le faux dauphin le plus crédible à une certaine époque. Hein. On parle toujours aujourd'hui de Nundorf, parce que Nundorf a eu une descendance, mais à l'époque, Richemont était beaucoup plus considéré comme quelqu'un de crédible que Nundorf. Hein. On verra pourquoi. Donc il va finalement continuer à prétendre, mais un peu mollement, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver à l'ombre. Et finalement, ce qui l'intéresse, c'est un petit peu de vivre aux dépens et aux crochets des dupes qu'il a pu faire. Et c'est surtout ça qui le préoccupe. Donc il va écrire ses mémoires, où il raconte à nouveau... Alors, il réécrit une nouvelle forme de mémoire, où il raconte à nouveau qu'il a été... enlevé dans une corbeille de lynchal, il lance un journal, l'Inflexible, qui défend sa cause, et puis il vit surtout de la générosité de ses fidèles, dont en particulier la comtesse d'Apchier,
qui était donc une, qui avait vécu à Versailles, qui avait été enfant à Versailles et qui avait approché le petit dauphin à l'époque, enfin le futur dauphin, le duc de Normandie, et qui, bon, en quelque sorte, a envie, en quelque sorte, de retrouver en Richemont cet enfant qu'elle a pu connaître bien des années auparavant. Elle dit d'ailleurs, elle dit dans un texte qui est très très significatif, hein, dit, c'est qu'il serait si doux de croire encore à la royauté, d'y dévouer sa vie et de relier le présent à la chaîne brisée des souvenirs. Donc finalement, cette femme, elle a envie de croire, hein, et quand on a envie de croire, voilà, elle a envie de croire qu'elle avait retrouvé cet enfant, qu'elle avait retrouvé aussi ses 10 ans et qu'elle retrouvait Versailles, le Versailles de l'Ancien Régime où elle avait passé son enfance. Donc elle entoure le Richemont, le baron de Richemont de prévenance et d'attention, et finalement il va mourir d'apoplexie parce qu'il devait se nourrir peut-être un peu trop bien, et peut-être boire un peu trop peut-être, le 10 août 1853 au château de Vaurenard près de Lyon. Et il est toujours enterré d'ailleurs au petit cimetière de Glézé à côté de Lyon. Et sur ça, son acte de décès à l'époque, bien sûr, c'était le maire du village était dans le coup, donc on établit l'acte de décès au nom de Louis-Charles de France, natif de Versailles. Et il faudra finalement un jugement rectificatif en 1859 pour qu'on barre cette mention en disant que c'était un personnage se disant baron de Richemont et ce prétendant Louis XVII. Et on fait retourner d'ailleurs la dalle funéraire sur laquelle il y avait écrit Louis-Charles, Louis XVII, etc. Et de l'autre côté, on inscrit « Nul ne dira sur ma tombe, pauvre Louis, que tu fus à plaindre ». C'est joli, enfin bon. Voilà. Donc elle existe toujours cette tombe, et elle est tournée du côté anonyme, puisque l'oncle... Alors voilà, donc ça c'est les trois premiers éléments du carteron de faux dauphins. Le quatrième étant le plus connu, en tout cas celui qui a laissé le plus de souvenirs dans l'histoire, qui est Karl Wilhelm Namdorf, qui arrive à Paris finalement très tard, en 1833, hein, sous la monarchie de Juillet, en mai 1833, à l'invitation d'un magistrat de Cahors, un certain Albouy, qui avait démissionné d'ailleurs pour ne pas servir Louis-Philippe, donc un légitimiste pur et dur, et qui, ayant lu dans le journal Le Constitutionnel une petite note indiquant que quelqu'un se prétendant Louis XVII était en Allemagne, dans la ville de Crossen sur l'Oder, qui est actuellement en Pologne d'ailleurs, hein, sur la frontière sur l'Oder, sur la rivière de l'Oder, près de Francfort. Et donc, Albouy avait donc envoyé, ému par cette histoire, avait envoyé une certaine somme à ce Namdorf, donc, qui prétendait être Louis XVII, pour venir en France défendre ses droits et donc récupérer son héritage. Alors, Namdorf, il est assez étonnant parce que c'est un personnage qui parle à peine français quand il arrive à Paris. Mais il va avoir, alors certainement que c'était quelqu'un, je vous lirai tout à l'heure un témoignage sur lui qui est très très intéressant parce que c'est quelqu'un qui le regarde de l'extérieur et qui perce un petit peu la réalité psychologique du personnage. Il va être connu par un certain nombre d'anciens courtisans de Versailles et des Tuileries, en particulier Madame de Rambaud, qui avait été une des femmes de chambre des enfants de France. Et donc Madame de Rambaud soutient Mordicus, qu'elle a retrouvé le petit Louis-Charles qu'elle a en partie élevé. Lui-même raconte la même histoire que tous les autres, qu'il est parti dans un cheval en bois, qu'il lui est arrivé des tas d'affaires, qu'il a été transbahuté à travers l'Europe, l'Amérique, etc. Enfin bon, tout un tas d'aventures tout à fait rocambolesques, dignes des feuilletons que publiaient les journaux à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir de ce Namdorf, qui va quand même être reconnu, comme je disais, par un certain nombre d'anciens courtisans de Versailles. Alors il apparaît, on ne sait pas ses origines exactes, parce qu'il apparaît en 1809 à Berlin, avec un passeport au nom de Namdorf. Et ensuite il va s'installer de Berlin, il va aller à Spendau, donc dans la banlieue de Berlin, où il va faire le travail de la profession d'horloger, puis ensuite à Brandebourg. Et il se dit originaire de Weimar. Alors, accusé de fausse monnaie, il a été emprisonné à un certain moment en Allemagne. Au moment de passer en jugement, il prétend être de noble extraction
et d'avoir vécu en exil avec son père. Là, il raconte pas encore qu'il est Louis XVII. Hein. Dans un premier temps, il prétend qu'il s'est évadé de la France, enfin qu'il a, qu'ils sont échappés de la France, qu'ils sont immigrés, qu'il a vécu avec son père pendant un certain temps en exil. Donc, en racontant qu'il était prince et que son père était prince. Donc, il fait 3 années de prison, à la fois pour sa fausse monnaie, mais surtout pour avoir raconté ce genre de calembredaine. Et c'est à partir de ce moment-là où il commence à signer Ludwig Burbong. Ludwig, donc Louis Burbong, 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 quoi. Hein, donc, il prétend donc être Louis XVII. Il commence petit à petit à imaginer qu'il pourrait être Louis XVII. En 1828, après avoir purgé sa peine, il s'installe donc à Crossen, sur l'Oder, où là, il commence à jouer vraiment les Louis XVII. Il se convertit à la religion catholique, avant il était luthérien. Il était marié, il avait déjà 3 enfants. La quatrième, il lui donne un prénom ad hoc, Marie-Antoinette. Hein, donc il commence à. Alors que les autres s'appelaient Edmond, des choses qui n'avaient absolument rien à voir. Amélie, enfin voilà. Donc il est. Voilà, il commence à inventer ce personnage et bon, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il commence je dirais, à faire parler de lui autour de lui, à avoir un certain nombre de partisans en Allemagne, et c'est comme cela que son histoire est connue en France et que Albouy le fait venir donc à Paris en 1833. En 1833, il est à Paris, il s'entoure d'un certain nombre de partisans qu'il arrive à convaincre. Et finalement, il va être expulsé en 1836, après avoir voulu assigner la duchesse d'Angoulême et Charles X devant le tribunal de la Seine. Donc là, à ce moment-là, Louis-Philippe, même s'il n'était pas partisan, pas tellement ami de ses cousins de la branche aînée, malgré tout, il trouve que ce personnage fait quand même un peu de bruit, et donc il l'expulse vers l'étranger. Donc il va s'installer ensuite à Camberwell, donc avec sa famille en Angleterre, où là il va faire de la prison pour dette, où il va se mettre à fabriquer des explosifs, enfin des tas de choses. Enfin, il fonde, alors en plus, il a une phase mystique, parce qu'en 1838, il fonde une nouvelle religion, qui s'appelle la doctrine céleste, où il crée une nouvelle église catholique évangélique. Donc vous voyez, tout ça s'inscrit aussi, il faut voir, on pourra en reparler, dans un ensemble aussi ésotérique et un peu illuministe du début du 19e siècle. Hein. Parmi ses partisans, il y a beaucoup de sectataires aussi de Eugène Vintras, qui avait créé une sorte d'église, d'église schismatique hein, à ce moment-là. Il a été aussi reconnu. Nandorf a été reconnu lorsqu'il était en France par le fameux Thomas Martin de Galardon, qui était une sorte de visionnaire qui prétendait avoir vu un ange portant haute forme, lui disant que Louis XVII n'était pas mort et qu'il fallait aller le raconter à Louis XVIII. Et donc ce Thomas de Galardon, bien lorsque Nandorf apparaît, on lui montre et il tombe à genoux devant lui en disant c'est bien vous êtes bien Louis XVII, etc. Donc il y a, bon, ça s'inscrit à la fois aussi dans un milieu comme ça de fermentation spirituelle. Donc il va, le fait d'avoir créé cette nouvelle religion où un ange lui parle, etc. Enfin bon, tout ça, ça fait un petit peu désordre. Il est d'abord abandonné par un certain nombre de ses partisans qui quand même restent fidèles au catholicisme normal, je dirais, enfin ordinaire. Et il va être finalement condamné aussi par le pape qui fulmine contre ce fils de perdition qui se prétend faussement être le duc de Normandie. Donc, notre Nandorf, finalement, va quitter, en 1845, va quitter l'Angleterre pour s'installer aux Pays-Bas, où il veut vendre les explosifs, parce qu'il a, il avait un atelier de chimiste, etc., où il avait mis au point un certain nombre d'explosifs et de bombes, etc. Et donc il va aux Pays-Bas pour vendre ses inventions. Et c'est là qu'il va mourir très rapidement, le 10 août 1845, à Delft, donc aux Pays-Bas. Et là, les gens qui l'entourent, un peu comme pour Richemont tout à l'heure, vont le déclarer à l'état civil sous le nom de Charles-Louis de Bourbon, duc de Normandie, Louis XVII, fils né à Versailles, etc. Et l'officier d'état civil hollandais va recopier ça sans. Alors on dit souvent, il y a eu l'autorisation du roi. Non, d'une certaine manière, il n'y avait même pas besoin, dans la mesure où, à l'époque, et même encore
plus tardivement, les actes de décès étaient uniquement déclaratifs. C'est-à-dire que l'officier d'état civil n'avait pas à vérifier la réalité, l'authenticité des déclarations des témoins. Les témoins disent cet homme était. Voilà, et donc c'est ainsi que qu'il est déclaré sous le nom de Charles-Louis de Bourbon, duc de Normandie. Alors on dit souvent que c'est une preuve que ce serait Louis XVII. Non, d'abord parce que ce n'est pas l'état civil de Louis XVII, puisque comme je vous ai dit, il s'appelait Louis-Charles et pas Charles-Louis. Il ne s'est jamais appelé Bourbon. La branche aînée de la famille de France, enfin, la branche régnante s'appelait de France, tout simplement. Hein, et donc quand il est déclaré en 1785 dans le registre paroissial de Notre-Dame de Versailles, il est déclaré Louis-Charles de France, duc de Normandie, fils de Louis XVI, etc. Donc, déjà, l'acte de décès de Charles-Louis de Bourbon n'est pas conforme à l'identité, même si on pouvait imaginer qu'il aurait été réellement Louis XVII, ça ne serait pas, de toute manière, conforme à cette identité. Quoi qu'il en soit, eh bien, le précédent de cet acte qui ne sera jamais rectifié, et là, peut-être qu'effectivement, la famille royale de Hollande en profitera pour faire un petit coup bas à Louis-Philippe, qui avait donné un coup de main aux Belges quelques années auparavant pour récupérer Anvers, et donc ils avaient peut-être un peu de ressentiment contre lui. En tout cas, on ne fera jamais modifier cet acte au nom de Charles-Louis de Bourbon, ce qui fait que, eh bien, légalement, les Nonndorf, les descendants, parce qu'il avait de nombreux enfants, ces Nonndorf, portent légalement le nom de Bourbon, et lorsqu'ils sont venus se réinstaller en France, ou s'installer en France, puisqu'ils n'y avaient jamais été, eh bien, leur état civil hollandais s'est automatiquement inscrit. C'est pour ça qu'à l'état civil, il s'appelle légalement Bourbon, ce qui peut être un peu, je dirais, troublant pour le grand public, parce que s'ils s'appellent Bourbon, ça prouve bien qu'ils sont... Non, ils sont finalement, c'est des Bourbons, mais ça n'est qu'une sorte de pseudonyme qui leur a été donné, en tout cas qu'ils ont eu grâce à la facétie d'un officier d'état civil hollandais. Alors, donc sur la psychologie, avant de terminer, et puis après on pourra peut-être passer à des questions... Sur la psychologie de Nonndorf, ce qui est assez intéressant, c'est un personnage, donc un homme qui a écrit un bouquin à l'époque, qui avait rencontré Nonndorf, dont le fils d'ailleurs avait été une de ses victimes, une de ses dupes, et il explique bien un petit peu quelle était la manière de faire de Nonndorf. Il prenait je vais vous lire, ça sera plus simple. Hein. Donc il arrive vers Nonndorf et... Nonndorf le prend dans ses bras, en fait, comme si c'était un ami de toujours. Et en fait, Nonndorf utilise, je dirais, pour désarmer la critique, en fait, on faisait un maximum, je dirais, dans la sympathie, dans la cordialité. Et comme dit notre auteur, Monsieur Nonndorf en agit un peu comme ses armées, pour qui la défensive n'est pas tenable. Il prend hardiment l'offensive. C'est un moyen de déconcerter ses adversaires et de leur cacher la faiblesse de ses ressources. Lorsqu'on ne peut pas s'emparer d'une ville par un siège régulier, on tente un hardi coup de main. Monsieur Nonndorf se conduisit de cette manière à mon égard. Il me fit l'honneur de me traiter comme une place forte. Il pensa que le siège régulier de mes convictions serait plus long et plus difficile. Il essaya de me prendre d'assaut et de m'inoculer la maladie Louis-Dix-Septisme dans une embrassade. Il ne réussit point, il est vrai, mais il fit tout ce qu'il pouvait pour le faire. Voilà, il met aussi cette véhémence de parole, ces effusions, ces embrassades étourdissent toujours un peu celui qui en est l'objet. La surprise empêche l'observation d'être aussi exacte et aussi sévère. Puis il y a dans le cœur humain une espèce de pudeur honnête qui vous met dans l'embarras lorsqu'il s'agit de dire en face à un homme qui vous accable de marques d'amitié qu'il est un fourbe et un imposteur. Donc en fait, voilà, il baratinait les gens, si on peut dire. Il leur disait mon ami, mon cher ami, etc. Et donc du coup, enfin, c'était difficile ensuite d'être vraiment féroce avec lui. Donc voilà, je pense que c'est ainsi qu'il a... C'est quelqu'un qui avait une grande pénétration en psychologie, qui utilisait en plus les informations que les uns lui donnaient pour les redire aux autres. Madame de Rambaud, en particulier, s'est répandue en confidence sur ce que pouvait être la cour de France. Ça, c'est quelque chose qu'on reverra plus tard, par exemple, avec la fausse Anastasia, la femme, la, la,
la fausse grande-duchesse Anastasia, Anna Anderson, qui a prétendu être la fille de Nicolas II, échappée du massacre. C'est pareil, elle entendait des éléments qu'elle répétait à d'autres, et finalement, elle s'est convaincue elle-même, à la fin, qu'elle était Anastasia, puisqu'elle était en partie amnésique. Donc finalement, pour Nondorf, je ne pense pas. Enfin, Nondorf, à la fin, donne l'impression quand même de perdre un petit peu la tête avec sa religion, etc. Mais et finalement, il a peut-être finalement cru à ses propres mensonges. Mais au départ, je pense que c'était surtout un voleur, enfin un escroc, et qu'il avait trouvé là un moyen de se faire de l'argent. Parce que dans la correspondance qu'il envoie à sa famille, parce que sa famille est restée en Allemagne, il envoie régulièrement de l'argent, etc., pour voilà, qu'il se tire à ses dupes. Donc bon, il y a vraiment une entreprise d'escroquerie. Alors le nondorfisme, quand même, ce qui est intéressant, parce que ça va continuer jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer parce qu'il a plusieurs enfants, plusieurs fils, qui vont tour à tour continuer à prétendre après lui. Et comme il porte le nom légalement de Bourbon, ça facilite les choses. Et en plus, il va être utilisé en quelque sorte par le nondorfisme, le survivantisme, mais le nondorfisme en particulier, va être utilisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, par les républicains, en particulier au moment de 1872, lorsque la République essaye de s'installer et qu'on a encore le risque que le comte de Chambord puisse cindre la couronne. Hein, là, donc là, on va, c'est le fameux Jules Favre, hein, l'avocat Jules Favre, qui est un des fondateurs de la Troisième République, va être l'avocat des Nondorf à ce moment-là, qui à nouveau refont un procès, enfin les descendants de Nondorf, pour affirmer leur prétention. Et donc, en quelque sorte, ils vont apporter un élément de division encore supplémentaire dans le camp royaliste. Donc, il n'y avait pas besoin de ça, puisqu'il y avait déjà une division entre orléanistes et légitimistes. Mais disons que ça va apporter, et ce n'est pas par hasard que Jules Favre, donc un des pères fondateurs de la Troisième République, va être défenseur de Nondorf. C'est bien parce qu'il se rend compte que c'est un petit peu un poil à gratter supplémentaire dans le manteau de sacre du comte de Chambord. Et puis, d'une manière générale, ce mythe de la survivance va être un mythe démobilisateur pour les royalistes, même si effectivement ça ne concerne qu'une petite marge, et ça n'a jamais été des contingents énormes, mais ça a toujours été un élément, je dirais, démobilisateur pour une partie des royalistes, de dire ben, peut-être qu'il y a un survivant qui réapparaîtra, etc. Et qui, donc ça divisait les troupes. Et je vais finir peut-être par la citation de notre cher Hervé Pinoteau, qui n'est pas particulièrement nos amis, qui n'a pas particulièrement le même prétendant, en tout cas, à la couronne de France, mais en l'occurrence qui avait fait une analyse assez claire de ce qu'était le nondorfisme et le survivantisme. Il avait écrit en 1981 « Je le dis aux royalistes, l'affaire Louis XVII est un mythe démobilisateur, sécrétant le doute sur la légitimité des aînés de la maison de Bourbon depuis 1814 et même 1795. C'est une machine de guerre, d'apparence fort pieuse et même très respectueuse de la vérité, mais elle liquéfie les volontés, raréfie les militants, et conforte la paresse intellectuelle et physique de nombre de meilleurs. L'affaire Louis XVII est un chef-d'œuvre de l'anti-France. Bon, là, on commence à tomber. Un beau produit de l'intelligence du diable. N'ayons pas peur de le dire. Bon, on va arrêter là. Mais enfin, bon, voyez un peu le sens. Je crois que c'est assez réel. Bon, alors, bien sûr, c'est un petit cheval de guerre, un poney de guerre, si on peut dire. Enfin, quelque chose qui n'a jamais réuni énormément de monde. Et c'est plutôt une anecdotique. Mais malgré tout, bon, ça a été un élément, qui a permis de diviser à certains moments les royalistes. À la mort de Chambord en particulier, donc en 1883, on sait qu'un certain nombre de légitimistes ont refusé de se rallier donc au comte de Paris de l'époque. Alors la plupart sont rentrés dans leur château et ont cessé de faire de la politique. Un petit nombre s'est tourné vers les Nations d'Espagne, 1883-1884, un ensemble de déclarations des Nondorf de l'époque, qui, en particulier, c'est à ce moment-là où ils vouent la France au Sacré-Cœur, où ils placent le Sacré-Cœur sur les armes de Fleur de Lys, etc. Donc il y a vraiment là l'idée, dans la mouvance nondorfiste, de récupérer en quelque sorte les déçus
les orphelins du comte de Chambord, qui, parce que finalement, le comte de Chambord, à un certain moment, avait remplacé l'idée de ce roi perdu qui reviendrait, bien sûr, pendant toute une période, jusqu'à cet élu. Il avait un peu détrôné Louis XVII dans l'esprit des Français, en disant, oui, ce roi perdu, ce roi exilé qui reviendra, c'est Chambord. Bon, après la mort de Chambord, il y a un petit nombre de royalistes qui vont aller vers les Neudorf, et puis encore un autre petit nombre qui restera ce qu'on appelle providentialiste, ou qui dit, voilà, le roi doit être caché quelque part, on ne sait pas lequel c'est, mais il reviendra un jour. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut peut-être s'arrêter là, et puis après, on peut creuser un peu tel ou tel point, soit dans ce que j'ai raconté, soit dans ce que j'ai pas dit sur la vie, sur la mort de Louis XVII. Voilà, je suis à votre disposition. Merci Philippe.